Est-ce que le Cameroun peut faire quelque chose en Cannes? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des Lions indomptables. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo ici, nous on parle de foot ici. Nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est ça, on est parti. Alors, les amis, est-ce que le Cameroun peut faire quelque chose pendant la CAN? Une chose est sûre, le Cameroun a toujours été l'un des favoris de la CAN. Même un Cameroun moins bien a toujours été l'un des favoris de la CAN. Parce qu'il y a l'ADN de la compétition. On l'a encore vu en 2017. Le Cameroun remporte la CAN avec sa pire meilleure équipe de l'histoire. L'équipe qui remporte la CAN en 2017, pour moi, c'est la plus mauvaise équipe que j'ai vu jouer. En termes de talent, il n'y avait quasiment aucun grand joueur, en dehors peut-être de Moukanjo, et j'en passe. Donc, le Cameroun, c'est une équipe qui sera toujours favori, malgré le fait qu'ils n'ont pas peut-être un bon jeu. Mais le Cameroun n'a jamais eu un bon jeu. Le Cameroun n'a jamais eu un bon jeu. La force du Cameroun, ça a toujours été le mental, la grinta, l'abnégation. Donc, on va attendre d'abord le tirage au sort des poules qui aura lieu en octobre. Après le tirage, on va en débattre. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao!